Et salut tout le monde, Timothy Crafter 06, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Rush, donc le Rush numéro 3. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve sur Funcraft ou sur Ascensia, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, bah voilà, hein. Oui, on est sur les rushs les plus durs de Funcraft. Au niveau 4 joueurs, donc on est dans 8 équipes de 4 joueurs, comme vous pourrez le voir après sur le scoreboard. Enfin, le truc sur le côté, là, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est ça. Excusez-moi. Ouais, donc si vous voulez savoir les règles des rushs, vous pouvez aller voir dans la première vidéo que j'ai faite avec Wiz Gaming. Donc on les explique dedans. Peut-être qu'on a... Non. Bah, voilà, on les explique dedans tout court. Oula. PNJ se déchaîne. Hop. Donc lui, on va laisser le faire son petit pont. Et on va aller attaquer les deux bleus, qui sont que deux. Okay, lui, il va se faire buter. Ah non. Je vais essayer d'y aller par en dessous. En attendant que lui, il fait par en haut. C'est risqué, mais bon. Il faut tenter. Ok, il y a du fight, il y a du fight. Ouais, il m'a eu par au-dessus. Quand on est en dessous, on est toujours mal positionné. Donc lui, il va nous buter tout seul. Ok, il est fort lui, hein. Non, attendez, on va le buter. Non! Il me le faut. Il est mort? Putain, il est pas mort. C'est un malade. Il pose des blocs partout. Yeah, j'ai buté à la main. Ok, bah lui il était fort, hein. Il a tout buté. Moi, il m'a défoncé. Je vais aller buter lui en attendant qu'il casse des blocs à la main. C'est un petit rigolo celui-là. Il m'a passé une TNT en plus. Hop, ça c'est fait. Une team en moins. Toujours ça de prix. Et l'équipe est pas éradiquée, du coup il faut continuer à taper dans le vide. Et voilà, ça fait une équipe en moins. Donc là je vais me stuffer un petit peu en attendant d'aller rush une autre équipe. Donc on vient d'éradiquer les deux bleus. Okay, il a vraiment posé du bloc partout l'autre. Hop, 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 on prend un peu de ressources. Il m'a fait flipper lui. On est encore 4 dans notre équipe, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait déco. EP1, EP3. Parfait. Je vais me faire une pioche et un peu plus de blocs. Là, une pioche s'il vous plaît, de la bouffe et un peu plus de TNT. Okay. On va casser ça parce que je pense que ça rendrait service un peu à tout le monde. Hop, parce que le passage était bloqué. 12 pommes. Oula. 12 pommes et un peu plus de TNT. Des TNT. Mince, je fais que des AP. Bon, pas grave, ça servira. Au moins, si on meurt, on a tout là-dedans. Du coup, je sais même plus s'il me reste assez. De quoi faire une troisième TNT, peut-être. Ouais, encore 3, ça va. Donc là, on est bien stuff. Je sais pas par où on peut aller rush. Ouais, bon. Pardon. Excusez-moi. Je fais une toute petite ellipse, je regarde un message Skype et je reviens. Et re tout le monde. Donc je check juste le record. Ouais, c'est bon. Donc c'est reparti. Hop. Je sais pas si c'est une bonne idée de rush par là.
Bah si, allez. Mais en fait, mon équipe, elle est où? Je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, je repars par ici pour aller attaquer la team de là-bas. Qui fait je ne sais quoi. Hop. Je bridge. Ok. Donc, je repars. Il y a du fight entre les oranges et les violets. En tout cas, là, il reste plus qu'un rouge, 3 violets, 3 oranges, 4 verts, et nous, on est encore 4. Donc ça, c'est cool. On est toujours une team complète. Et on a toujours notre lit. Donc, je vais expliquer quand même vite fait, parce que s'il y en a qui comprennent pas, ce serait bête. Le lit, en fait, c'est ce qui vous permet de respawn. Si on vous le pète à la TNT, vous pouvez plus respawn, et donc, vous êtes dans le caca. Il y a un rouge, des violets, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Ah, il s'est gavé, lui. Ok, donc le rouge a été éradiqué. Je crois qu'il y a un mec derrière moi, mais c'est un jaune. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Bah, il est tombé tout seul. Hein. Il est vraiment fort, celui-là. Lui, je crois qu'il essaie de faire un canon à TNT croisé. Attends, si ça marche, je suis dans le... Ah ben, ça marche croisé, hein. Je m'étais toujours demandé. J'aurais peut-être dû reculer par précaution, mais... Ça va, il nous a pas eu. Je vais prendre ça. Oh non, je l'avais pas vu, sérieux. Oh. Noob. Je suis un noob. Bon, attendez, je vais essayer d'aller le... Oula. D'aller le tuer pour éviter à notre équipe de se faire buter. Oh, mais tais-toi. Oh, il était gentil celui-là. Il avait laissé des bons trucs. Donc j'y vais sans TNT. Mais je suis bien stuff grâce à lui qui a laissé du stuff. En tout cas, je suis vraiment dégueu parce que je me suis fait sauter dessus et je l'avais pas du tout vu. Ah mais attendez, il reste encore quelques violets et quelques oranges. Vous avez tous vu ce fail. Bah lui il m'énerve là. Il va finir par tomber tout seul, non. Je vais le buter, non, ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas, copain. Allez, salut. Ça, c'est fait. Je vais me faire quelques TNT. Quelques TNT, quelques pommes, mince. Juste de quoi péter un lit. Désolé, je voulais pas te brûler, petit villageois. Ah, mais il y avait ma sphère. J'ai tout dépensé, mais c'est pas grave. Une pioche aussi, c'est très important, la pioche. Bâtisseur. Hop. La pioche, on va la mettre à côté de l'épée, quand même. Et... des blocs. Voilà. Elle a été tuée par jeune... Yes, on a détruit le lit de l'équipe violée. Enfin, le mec, là-bas. Du coup, il reste 3 violets et 4 verts. Il y a un violet qui s'est barré là-bas. J'espère juste que... Attendez, est-ce qu'on a pété notre lit? Boum. Non, ok. Je crois que c'est bon. Qu'on n'a pas pété notre lit, je veux dire. J'espère... Non, là il y a un mec qui est mort, il a pas été éliminé. Du coup ça va. Petit saut, fail. Hop, là il faut que j'aille encore kill des mecs. On saute vu qu'on est des fous. Hop. Flipper lui. Toujours peur de me fail moi.
sur ce genre d'escalier. Il a sauté. Non! Oh, rollback au moment de sauter. Si j'étais mort. J'étais mort, les gars. Hop. Donc là, on est en train de poursuivre les autres équipes. Hein. On ne sait pas où elles sont. Jaune. Ok, on a pété notre lit. Il y a un mec de notre équipe qui est éliminé. Pff, sérieux. Tous leurs chemins, là, ils sont trop compliqués, hein. Okay, c'est par où qu'on est censé passer, là, sérieux. Par là. On est bientôt arrivé. Après, reste à savoir où sont les autres. Donc là, on a encore deux jaunes, deux verts, deux violets. Donc, un peu des teams de deux. Je sais pas si j'attends le jaune de mon équipe. Est-ce que vous croyez qu'on peut survivre à ça? On va voir. Eh ben oui. Faut toujours tester, hein. Hop. Ok, donc ça, ça fait... un violet en moins. Apparemment, il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui sont passés par là vu qu'il y avait encore des blocs par terre. Sérieux, le violet MDR. Ok. Tu me laisses tout seul. Et donc là, il ne reste plus que les verts qui sont là-bas. Ok, le fight final approche, les amis. Je vais quand même attendre le mec de mon équipe. Pas mourir bêtement. C'est Imzuki, mon fidèle compagnon. Okay, je déteste les ponts comme ça. Sérieux. Atomi. Hop, on lui met un petit TKT. Je sais pas s'il faut qu'on monte ou pas. On va monter un petit peu. Faut, de toute façon, il va falloir qu'on monte haut. Donc je vais essayer de l'avoir à la pioche, celui-là. Ok. S'il peut casser en dessous de moi, ça veut dire que je peux casser en dessous de lui. Ouais. Là, je sais très bien qu'il peut casser, il attend juste que j'aille de là. Il suffit qu'il avance et je le bute. Yes! Allez, un de moins. Oh non, il est pas mort. On va le buter, hein. Non, on va pas le buter, on va pas le buter, on va pas le buter. On va laisser l'autre à notre compagnon. Enfin non, je vais aller l'aider. Je sais pas si je vais l'aider ou je tente de faire lui. Je pense qu'il vaut mieux que je l'aide parce qu'au moins, on sera deux contre un. Après, on sera encore deux contre un. J'essaie de l'avoir par derrière sans qu'il me voit. Oui, ça se fait pas. Et alors? Non, non. Oh, il s'est passé quoi là-bas? Oh non! Je suis tout seul. Ok, on s'en va, on s'en va. Et on se casse. Casse un petit peu le pont aussi, parce que sinon ils vont venir nous tuer, hein. Faut régénérer un peu quand même. En fait, j'aimerais bien les affronter en fight, mais en normal. Je pourrais les buter, je pense. Faut tenter. En fait, faudrait que je me les fasse un par un.
Mais vu qu'ils sont deux. Bon bah j'ai pas le choix, hein. Il faut que je monte. Je peux me faire vite. Allez. Allez. Regarde, l'autre est derrière. Allez, on se le fait, on se le fait, on se le fait. Non. Ok, tower, 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 tower. Ok, on en a buté un. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai dû faire un tower en mode qui coupe parce que. Ok, il est toujours en bas. Je vais aller l'affronter après. Je pense que je peux me le faire. C'est possible. Je mange une autre. Oh non, attendez, je viens d'avoir une idée. Je vais lui lâcher ma TNT sur la tête. Non, pas comme ça. Je vais encore tomber. Donc, on fait boum-boum. On lui casse la tête. On va se faire une petite plateforme, nous sommes pour aller lâcher plein de TNT sur la tête, ce sera rigolo. Voilà, on lui saute dessus. On va voir. J'ai cassé un bloc, ma souris s'est mise à marcher toute seule. Comment ils ont fait pour ce fight là-bas? Il est en train de monter. Mais oh, j'ai cru que j'allais tomber tout seul encore. Qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de me mettre en dessous comme ça. Je pourrais l'avoir à la pioche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, c'est un peu tendu. En plus, j'aurais trop dû descendre pour le fight, mais il était parti, c'était trop tard et il fallait que je régène. Ok, ça va, il est encore loin. Il a sa petite pioche en bois, cassette 2 à l'heure. On continue de progresser. Non! Oh yes! Heureusement qu'il est nul. Vous croyez que je saute le buter? Allez, on est des fous! Merde. Et on a encore fail! Ça fait la deuxième fois que je fais ça. On se cache et on régène. Et on va l'affronter en 1v1. Quand même, j'ai tenu longtemps. Non, mais sérieux, il m'énerve là à faire ses petits tours. Oh, putain. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un mec qui fait toujours la même chose? Ah, yes, il descend. Vas-y, j'en ai encore 15, mon gars. Vas-y, saute. What's you? Où est-il? Allez, on soulève, on soulève. Bim, mon fucker. Allez, on lui dit GG parce qu'il était fort celui-là. Et on a gagné, donc GG à lui, GG à tous. C'était bien cool, une petite partie, plein de fun, plein de kills. C'était cool. Donc Minecraft ne répond pas comme d'hab. Ça me fait toujours ça de toute façon. Connexion de merde. Bon, pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis. Ça me fera super plaisir. Si vous avez des questions, des choses que j'ai mal précisées, des trucs comme ça, vous pouvez mettre un commentaire. Et en tout cas, on se dit à la prochaine sur un Minecraft qui ne répond pas. Allez, bye bye.